Coucou à tous, petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu un petit colis de Lollipops. Elle m'avait acheté des petits trucs, je lui avais acheté des petits trucs et au final on s'est dit on va s'envoyer un petit colis comme ça et elle m'a mis des petites choses en plus et moi aussi je lui ai mis des petites choses en plus sans le savoir. Donc je voulais vous le présenter en vidéo, mais avant je voulais vous présenter mes derniers achats. Oui je sais, ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai dit que j'étais en no buy et ça c'est déjà ça que j'ai fait avant de dire que j'étais en no buy, donc jusqu'aux vacances, j'ai 18 jours à tenir et je vais tenir, comme ça je pourrais profiter un max en vacances. Donc je suis allée la semaine dernière, enfin samedi, mon mari avait des petits achats à faire au niveau t-shirt et tout pour aller en vacances. Et je suis passée vite fait chez Jacqueline Riu parce que je voulais voir les robes, parce que même pour les grandes tailles, en général, essayez d'aller voir les filles, parce que même si vous faites un 50-52 comme moi, il y a certaines robes de chez Jacqueline Riu en 46-48, ça passe. Donc allez voir, essayez, et c'est le meilleur moyen de savoir. Donc là je voulais des robes, et au final je suis pas ressortie avec une robe, je suis ressortie avec autre chose, mais je voulais vous le montrer. Alors déjà j'ai acheté deux bijoux. Donc le premier c'est ceci, donc c'est un bracelet, vous savez qu'on passe plusieurs fois autour du poignet, que j'ai trouvé mignon, il est doré, j'ai trouvé ça, j'aime bien ce genre de bracelet. Donc là il était normalement à 4,95€ et je l'ai eu en solde à 2€. Et j'ai trouvé ce bracelet là aussi, donc c'est un bracelet, je sais plus comment on appelle ça, enfin, il a plusieurs tours comme ça, je l'ai trouvé vraiment très joli, en noir, metal gun comme ça, noir, il est vraiment très sympa. Et je l'ai payé 5€ et il me semble qu'il était à 9,90€, donc voilà, très sympa. Et j'ai craqué sur un pull, oui je sais, c'est pas du tout la saison, mais franchement j'ai vraiment craqué dessus, et vu le prix auquel il était, j'ai pas résisté. Donc c'est des pulls un peu loose en fait. Parce que moi j'ai pris une taille 2 alors que normalement voilà. Donc déjà en taille 2 il est loose sur moi, donc j'imagine que sur une vraie taille 2 ça doit être un peu terrible. Donc il est rose, rose un peu pêche très clair comme ça, je l'ai trouvé très sympa. Donc les manches sont plutôt resserrées en maille comme ça. Et il a une grosse montre, je sais pas si vous allez voir grand chose, voilà. Il a une grosse montre avec plein de strass dessus. Donc j'ai trouvé vraiment très joli pour la mi-saison et même pour l'hiver avec un petit débardeur en dessous. Je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Donc à la base il était à 39,95€ et je l'ai eu à 9,95€. Donc ça fait quand même 30€ de ristourne, donc c'est quand même énorme je trouve. Donc voilà, j'ai vraiment craqué dessus et puis pour le prix, je me suis dit, comme il me plaisait vraiment et qu'il m'allait bien, je me suis dit, vas-y, laisse-toi tenter, de toute façon, c'est pas perdu. Ensuite, j'ai reçu ce matin une commande, j'avais passé une commande pour un swap chez Beauty Lips, si je ne me trompe pas. Et parce que je voulais passer sur Point Makeup, mais au final Point Makeup sont en vacances, donc j'ai passé chez Beauty Lips. Donc je l'ai passé lundi après-midi et j'ai reçu la commande ce matin, donc on peut pas dire que c'est pas rapide. Donc j'ai commandé un petit rouge à lèvres de chez NYX. Donc c'est celui-ci, donc c'est le T, le 603, et en fait c'est un marron, voilà, donc il est très joli, j'aime beaucoup la couleur, et il donne ceci, donc c'est un nude assez, un peu soutenu quand même, il est plutôt sympa, et ce qui est bien dans les NYX, c'est qu'en bas vous avez le petit truc de la couleur, mais ce n'est pas que pour donner la couleur, si j'arrive à l'ouvrir, tout à l'heure j'y suis arrivée. Voilà, c'est en fait un petit récipient avec le rouge à lèvres si on veut faire des retouches au pinceau ou des choses comme ça. Donc voilà, je sais plus le prix que je l'ai payé, mais c'était pas très cher, donc je me suis laissée tenter. Et j'ai pris également ceci pour essayer, donc ça c'est pareil, c'était pas très cher. De mémoire, ça devait être dans les 6€. C'est un... Hop, je sais, c'est pas bien, j'y mets les dents, mais j'arrive à l'ouvrir pour vous montrer ça. Donc c'est un mascara, enfin ils appellent ça, c'est de la marque Slick, c'est Duo Deep It. Donc ça se présente comme ça, en plus le packaging je le trouve vraiment très joli, j'aime beaucoup. Donc en fait vous avez d'un côté un eyeliner et de l'autre côté le mascara. Donc je connais pas du tout les mascaras de Slick, donc ça me permettrait de tester et puis d'avoir les deux, c'est pratique. Bon la brosse est toute petite donc je verrai bien ce que ça donne. Ça a l'air assez sympa. Et de l'autre côté, donc, vous avez l'eyeliner qui se présente comme ça. Donc, et puis le pinceau, il a l'air vachement bien en plus. Il est assez épais. Et au niveau du... ça donne ceci. Voilà, donc il a l'air plutôt pas mal. Je trouve que le principe d'avoir les deux comme ça, c'est assez sympa quand on part en vacances ou des choses comme ça. Ça permet de ne pas emmener 36 trucs, vraiment une seule chose. Et je trouve ça plutôt bien.
Et donc maintenant, on va passer à la petite boîte que j'ai reçue de Lollipops. Ma belle, je te fais d'énormes bisous. Donc j'ai reçu ça. Et dedans, il y a... Donc elle a mis ça dans un pochon Jollibox. D'ailleurs, c'est très très lourd. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, je sais ce que j'avais demandé, mais... Alors, je savais qu'il y en avait en plus parce qu'elle me l'a mis dans la lettre. J'ai juste lu la lettre et puis je me suis dit, je vais le faire en direct. Live. Désolée, je crois que c'est l'aspirateur qui vient de se casser la gueule. C'est pas bien grave. Alors, on y va. Donc déjà, il y a les deux couleurs infaillibles que je voulais. Alors, il y a celui-ci. Donc, c'est le Enigmatic Purple, le 028. Donc je ne vous fais pas de swatch là parce que j'ai envie de vous faire une vidéo avec mes couleurs infaillibles. Donc vous le verrez dans mes vidéos. Et il y a celui-ci donc qui est encore emballé. C'est le 20, le Pebble Grey. Voilà. Donc ça je suis très contente. J'adore les couleurs infaillibles. Je ne sais pas pourquoi en ce moment j'ai une grande folie avec ça. Ensuite, il y avait ça que je savais qu'elle en avait pris deux pendant ses vacances. Elle s'est un peu plantée. Elle m'a dit je te les enverrai. Donc elles sont toutes mignonnes. C'est des toutes petites boucles d'oreilles. Mais pour l'été, c'est sympa aussi d'avoir des petits trucs, même pour l'hiver. Donc voilà, elles sont toutes mignonnes, toutes choupinettes. Je viens de voir un truc. Bon allez, je vous le montre. Regardez ce qu'il y a dedans. Ah oh, je suis folle. J'adore cette odeur. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est jouissif. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'adore cette odeur. C'est, comme vous avez pu le voir, c'est le Fée des Neiges de chez Lush qui sortent au moment de Noël. Donc à chaque fois, j'en achète et à chaque fois, ben, j'en ai plus rapidement parce que je l'adore. Et franchement, 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 merci. Ça sent trop bon, c'est mon gel douche fétiche. Il est rose et il est plein de paillettes dedans. Enfin, il est juste trop bien, il est juste parfait et c'est vraiment un chouchou. Merci. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est cool, mais t'es vraiment un amour. Donc c'est une crème que j'ai adoré utiliser. Elle a dû le voir dans une de mes vidéos. Elle l'avait, elle l'utilisait pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle me l'a envoyée. C'est la Pure Hydratant Peau Déshydratée de Pierre Auger. Je l'avais reçu dans une box, je sais plus laquelle. Je l'ai utilisée et franchement, je l'ai adorée. Et voilà, donc je suis super contente parce que c'est vraiment une super super crème. En plus, elle est même pas entamée. Donc ça va être super ça pour emmener en vacances. Franchement, cette crème, c'est juste, elle est juste parfaite. Après, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment. Donc c'est de la marque CNF, c'est pied de soie crème nourrissante. Voilà, donc il me semble que celle-ci je l'ai, mais j'aime beaucoup m'occuper de mes pieds maintenant, donc je l'utiliserai, c'est certain. En plus, je l'utilise en ce moment, celle-là, et je la trouve plutôt pas mal. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ma routine pied. Et ensuite, ça c'est de la marque Alessandro International, Pedix Fit, donc c'est un soin réparateur pour les pieds également. Donc je vais pouvoir m'occuper très bien de mes pieds. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Il y a des petits trous... pour essuyer les vernis, donc ça c'est toujours pratique, en plus il y en a plein. Et il y a, ah mais t'es folle, il y a le fameux petit vernis Color Club qui était dans une Birchbox, je crois, je veux toujours dire Birchbox, c'est Birchbox. Moi j'avais eu en vert et je cherche les autres coloris, donc il y avait vert, il y avait beige, il y avait violet. Et il y avait également le corail. Donc elle avait reçu le corail, donc on en avait eu deux. Donc le voilà, le corail. C'est le Rain in Spain. Et donc je suis toujours à la recherche du violet et du beige. Merci ma puce, c'est trop gentil. Et ensuite, c'est super. Donc elle m'a mis un petit vernis de chez Bayarwen, parce que les vernis de chez Bayarwen et elle ne sont pas copines. Malheureusement, elle n'arrive pas à les faire tenir sur ses ongles. Donc voilà, donc elle m'a mis celui-ci, je l'avais vu, elle le revendait. Donc c'est le 2013 que je voulais pas au début, puisqu'en fait il a été violet. Mais au final, je le trouve vraiment très très beau et je suis super contente de l'avoir. Il est magnifique, regardez-moi ça, c'est... Les vernis Bayarwen, c'est vraiment des tueries quoi. C'est juste trop trop beau. Et après, il y a un petit, je sais plus comment ça s'appelle, stripping tape ou un truc dans le genre, voilà, les petits rouleaux, voilà, et des petits nail stickers avec des jeans. Donc, voilà, voilou pour ma petite commande. Ma petite commande.
N'importe quoi. Ma petite box rapido par Lollipops. Ma biche, je te fais d'énormes bisous. Franchement, je te remercie énormément. Je suis super, super fan de ça. Je suis vraiment méga, méga trop contente. C'est vraiment génial. Voilà, c'est mon gel douche chouchou et je suis super contente de l'avoir. La crème Pierre Auger, c'est pareil. Franchement, t'es vraiment un amour parce que tu sais vraiment ce qui me plaît et à chaque fois, tu fais mouche. Voilà quoi, c'est vraiment génial, génial. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais enchaîner sur une vidéo sur mes couleurs infaillibles. Donc je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!